Je voulais tout ça me poser des états d'avis. On sait que le téléphone qui n'est pas la petite prête dans les États-Unis, le vole, le poule. Je ne sais pas quel est le cas là. Ça veut dire que quand on va faire ça, on va mettre tout le monde. Vous comprenez? Parce que c'est ça même, t'as voulu même. Si on va mettre tout le monde, c'est mieux pour moi. Vous prenez la parole? Vous voyez les membres de capchanter que la rose? Les gens n'ont pas vu sous terre. Ou pas qu'à vivre au Kikoto, ou pas qu'à vivre en bas d'eau, ou qu'à vivre pas vivre là. Je sais là. Où est ton côté au boulet, Kaou? Ou pas qu'à manger pour manger, ou pas qu'à côté pour dormir, ou pas qu'à merde pour faire un senti caca au pays. Sauf, sans au café, ça vous frustre avec un caca au pays comme ça. Vous gardez la parole? Vous cantez la parole. Ok. Peut-être que nous parlons dans la vidéo. Moun kap kouri avec Timon. Même demande nous excuse là. Bon, c'est frustration par lui. C'est frustration là. La pexprime là. Même si dit nous m'bouke. Moi-même, moi qui paraît, nous sommes jeunes garçons. Nous sommes jeunes garçons. Ça veut dire, moi, un bouquet. Et lui-même, lui dit ou lui-même, on sait le petit téléphone, lui, hein. On sait le petit téléphone, lui, hein. Pour le parler avec petite li à l'étranger, de voler. Et certainement, petite ça, capable c'est l'espoir que li gagne. Radio Omega. Presque son monde qui pas cache ton téléphone, dans un moment. Ou bien, s'il y a 1000 goudons, 2000 goudons, dans un moment. Est-ce son téléphone libre à l'acheter avec lui? Il n'a pas qu'à jouer de manger dans le pays. Parce qu'effectivement, depuis des jours là, pour nous, yo, aéroport nous, yo, yo fermé. Il n'a pas qu'à l'ouvrir. Ou un gouvernement qui l'a Gen moun nou pa wè. Ariel Henry, à distance côté li a, c'est lui qui toujours a décidé, c'est lui qui a manœuvré tout ça qu'il a. Pendant un peuple qui rose à bois, pendant un peuple qui pa konn ki bon priorité. Radio Omega. Un peuple qui pas connaît est-ce qu'il doit courir, est-ce qu'il doit camper. Li doul fatigué, li bouqué, li pas connaît ça pour le faire encore. Li pas connaît ça pour le faire encore. Moi-même moi sou di nou là, moins fatigué dans ça n'a vivre là. Parce que l'y a normal pour lever dans le pays ou par quel l'autre côté ou capable aller. Gon grain bagay yo metin pour nous faire en dans pays a. Lever sous quand je nous ti manger manger et puis c'est tout. Mais acteur yo nous continuer à défendre tête pa yo. Yo continuer à goumen pour camp pa yo. Mais non pas pour Haïti. Non pas pour Haïti. Parce que si Haïti était dans ça, dans route n'a fait là, si Haïti était là-dedans, nous t'a prend pitié pour moun ça m'a gardé là. Avant longtemps presque ou pral pa gen gaz dans pays a. Radio Omega. Ou pral pa gen gaz dans pays a. Ou pral pa gen gaz?
Boucanter la parole. Produit première nécessité yo même. Ça ne besoin yo. Et son monde continue dans tout ça ngel an faire gestion de yo. Parce que situation a pral grave. Et moi-même, m'a demandé, est-ce que n'a pas fait un mois encore là? Est-ce que n'a pas capable de faire un mois dans Samuel là? Dans Samuel là. Gain plusieurs solutions sous table là. Nous pas capable tenir compte de yo. Gain solution Guy Philippe. Et c'est de lui m'a parlé avant à soir. Boucanter la parole. Nous prenons position ici à Boucanter la parole. Radio Omega. En pile monde toujours ont tendance pour dire nous parrainer Guy Philippe ou bien nous raillons Guy Philippe. Mais dans Boucanter la parole, c'est premier monde qui parlait de Guy Philippe. Importance Guy Philippe gain là aujourd'hui à devant Jean bon politicien l'elfe écrivé a nous c'est premier moun là dans Boucanter la parole qui parle avec des moun qui parle avec des moun qui ba opinion yo sur rivé Guy Philippe en dans pays a et gen yon nan moun m'a mwen parle avec on maître avocat mwen font émission avec là je dis al nan CPA qui défend Guy Philippe. Nous te gardons dans Jérémy Jodia. Radio Omega. Jérémy, gon mouvement qui fait. Est-ce que tu gagnes pile monde? On pas pral tenir compte de ça, mais ça que certain tu gagnes pile monde qui sorti dans Jérémy Jodia. Nous la parole. Mouvement Jérémy, nous capable mettre le mouvement qui réussit. Puis Guy Philippe t'a annoncé un mouvement levé campé dans tout pays a pour journée mardi 2 avril là voice là là il te dit faut qu'il installé Fontamara te gen mouvement Fontamara te gen mouvement bouka di la parole maintenant pas prend bon moi comprendre tout nous non contexte difficile radio mais pas oublier 6-7 février 6-7 février te gagné en pile moun dans la rue malgré contexte gang qui gen là mais te wel te gagné en pile moun dans la rue Port-au-Prince te gagné en pile moun dans la rue Port-au-Prince Dieu a te marché. Et moi vle di a soir nan Boucanter la parole, yon pa fòs an lòt. Dieu a te marché 5 6 7 février, Dieu a te marché. Yon pa fòs an lòt. Dieu a te marché. Mais jodi a nou d'accord mouvement yo pa respecté. Mais konn y a di nou gen bagay. Gen an pile moun lò pa animé émission Boucanter la parole k'a déposé pou ou en bas. Dans la réaction, dans le commentaire, vous jouez en pile. Et parfois, vous même allez très loin dans ça et Abdi. Ça veut dire, c'est sur Facebook que vous félicitez, que vous supportez Guy Philippe là. C'est sur YouTube que vous félicitez là. Et des téléphones que vous supportez là. Et des téléphones non? Oui. Écoutez, li lan son mouvement jodi a nou pa répond li. Contexte la difficile veut. Mais nous tout dit Guy Philippe, c'est solution idéale là. Si Guy Philippe c'est solution idéale là, jodi a bon Port-au-Prince là moun yo nan kouri, ça veut dire moun yo toujours en mouvement, moun yo toujours en manifestation, moun yo nan kouri. Mais les villes de province le ville de province moun ki a l'étranger yo nou ti dwe sensibiliser la caille nou
pour nous dire nous dans combat là et choix par l'autre choix c'est choix Guy Philippe l'allier faut que nous prenions la rue pour nous faire revendication par nous passer pour nous faire revendication par nous passer mais nous va répondre à l'appel là sinon que la caille seulement Jérémy on pas quoi empêcher là si me dit ça me pas quoi méchant c'est la caille Jérémy mouvement prend pouvoir yo pas prend pouvoir dans manifestation parce que m'a observé en Afrique côté prend pouvoir plus souvent nèg yo manche zam yo yo prend parler en Afrique c'est avec zam yo prend pas yo prend pouvoir en Afrique c'est avec zam yo prend pouvoir mouvement sa yo c'est pas pep qui pral prend parler avec ou sinon que Sri Lanka yo t'envahi parler président Koui mais regardez en Guinée Conakry comment yo prend pouvoir nan main comment yo prend pouvoir nan main comment il s'appelle Alpha Condé comment m'a dit Doumbouya prend pouvoir nan main Alpha Condé bon certes l'été militaire, c'est lui qui a pu diriger l'armée guinéenne. C'est lui qui a dirigé l'armée guinéenne. Vous cantez la parole? Nous voyons comment Clotaire prend le Gabon. Nous voyons comment Ibrahim Traoré, comment ça fait? Comment ça fait au Mali? Comment ça fait au Niger pour nous prendre pouvoir? Tout d'abord, il sensibiliser le peuple là. Yo sensibiliser population. Ou gardez au Niger, c'est moun yo qui fait résistance. C'est population qui fait résistance avec jette militaire là. Parce que la France pas de vle bay les gain. Nous c'est population Niger là calmé té di fait dans ambassade de France au Niger. Ou ka toujours prend pouvoir avec peuple là oui. Ou sensibiliser peuple là d'abord ou faire éducation population d'abord pour montrer ça qu'a fait là c'est dans intérêt au lié on dit monsieur Azami ou veut prendre pouvoir on dit monsieur Azami ou veut prendre pouvoir baronet parce que dans Philippe dit monsieur gien zam nan mais déposer zam yo quitter peuple là manifester on nous veut prendre pouvoir là gede kidnapping continue à faire tirer a fait toute la semaine journée une population aux abois mais faut ils vont côté sympathiser même avec moun sa yo pour commencer faire confiance parce que ou pas cap mandé pour nous vivre ensemble ou pas cap mandé on fait bagarre là ensemble et puis n'a kidnapper yo n'a courir derrière yo on nous voulait prendre pouvoir nous dit bon me débloquer Canaran me débloquer Mon Gabriel me débloquer Artibonite moi débloquer Matissan faut nous sensibiliser moi voulais dire ça tout peut-être moun qui pas sorti aujourd'hui a yo ka penser c'est nan nas nap ton yo rive yo pas sorti robot même te dou ouais on manif kap sorti soleil te dou ouais on manif kap sorti soleil te dou ouais on manif kap sorti Matissan mais t'es doué un gros manif d'Elma. Vous cantez la parole? Ça pas empêché Guy Philippe Jodia. Li doué. Bakone, est-ce qu'il doit changer stratégie li? Parce que li nan élément solution kater la. Li se yon nan élément solution kater. Pouvoir kater la. Li se yon nan yo. Ou pas ka ekate Guy Philippe. Ou pas ka ekate l'on? Pas fait hypocrisie pour me dire non ou pas gain ou pas caricater Guy Philippe parce que discours yo li rejoindre nèg ki gen zam nan men yo est-ce que parle pour parler national baronne mais jusqu'à présent la police l'a résisté même là encore tout pouvoir prend pour leur besoin prend pouvoir avec les armes
faut jouer un minimum négociation, oui. Radio Omega. Est-ce que son stratégie de tirer à e, pour nous arriver au côté pour la police a dit bon, me faiblit parce que côté n'a privé, il y en a des quand il a faibli quand même. Il y en a des quand il a perdu dans le combat. Est-ce que c'est la police qui a pas le faibli pour nega examen prend parler ou bien c'est nega examen qui a pas obligé faire bas. Mais en attendant, on pas connait son stratégie liée. Pas un ken pouvoir besoin prendre avec exam ou pas un minimum planification. Pas un ken pouvoir ou envie prendre là. Faut une planification. Nous garder pays en Afrique comment prendre pouvoir. Tout nèg qui dans transition là, ça avec exam yo prend pouvoir. Mais tout est soit au commandant les jeunes militaires là ou du moins c'est eux même cap sécuriser président. C'est au cap sécuriser président. Ça veut dire nous voulons prendre parler comme si nous pas la Vladimir par raison. Est-ce que c'est une stratégie, m'pas connait non? Parce que nous sommes en matière politique. Nous devons faire tentative n'a tirer cargo côté rivé nous faiblit. Parce que l'on va analyser faut aller loin. Casse stratégie à ça même, capable son stratégie. Parce que qu'on côté n'a pas capable encore. Boucanter la parole pour pouvoir pas la RLB, faut pas la RLB mon cher. Parce que jodi a c'est lui qui gagne commande la police là. On veut pas ou pas parler avec et Jodel le sage, mais c'est eux qui dirigent là mais à jodi a. Faut qu'on gon planification. Faut nous parler avec les qui responsables. Mais m'a dit encore Guy Philippe lisse yon nan élément solution yo. La Cour de cassation, nous va regarder, gran pile moun kap fè ki kwè virage la dwe fèt. Nan niveau la Cour de cassation, yo kwè se solution idéale la. La Cour de cassation, yo kwè se solution idéale. En pile moun kwè, la Cour de cassation, se solution idéale la. Dans l'intervalle, CPA la traîné. CPA traîné. Est-ce qu'il y a une évolution pendant la journée hein? S'il y a une étape qu'on est, c'est le sam capable de nous qu'on est hier soir, bien tard, acte yo, 9 moun qui pral composer CPA, yo chita parlé. Ok? 9 moun qui pral faire CPA, yo toujours yo chita parler pour définir accord politique là avec moun qui voye ou bien avec dirigeant politique yo chita parler. Mais vraiment fon gon solution. Vraiment fon fon bagay. Pour Haïti. Vraiment fon fon bagay pour Haïti. Là fon fon bagay pour Haïti. Parce que ou gon pays bouqué ou gon pays m'pa konnen m'pa m'vraiment pa konnen nou bouqué mwen vle prete voix pam a tout moun k'ap soufri jounen jodi a tout moun k'ap soufri jounen jodi a et mwen sou di nou talè a continuer faire solidarité yon ak lot. Continuer yon ap veye sou lot. Parce que situation grave. Longtemps te gen dwa di, c'est l'on rentre ou ok. Mais jodi a, ça pa même existe non? Chaque zone nan Port-au-Prince, gon portail wi kon ya. Chaque quartier nan Port-au-Prince, gon portail wi. Depuis il fait 6h 7h du soir, moun yo ferme zone yo. Moun yo oblige à faire brigade, yo pas dormi. Moun a veillé zone yo. Chaque côté au passé jodi a. Moun yo met ton portail, moun yo mette des bouts de sac. Bon comme moun pa marcher la nuit encore. Mais ça m'en vive jodi a dans la ria. Non te gen droit si te gen moun la nuit k'ap marcher la nuit en pile accident a fait
Parce que quand on arrive, c'est pantan ou pantan sous barricade de Météa. C'est pantan ou pantan sous barricade là. On voulait adresser ma soeur à Guy Philippe, à CPA. On voulait adresser ma... Bon, la Cour de cassation pas opiné li. Et juge la Cour pas gagné pour opinion pas autour. Parce que n'importe décision qu'a prend là faut moun ça li aller devant la Cour de cassation. Vous gardez la parole. La Cour de cassation pas opiné, li pas gagné pour la position li, c'est des moun qui t'a remé nous aller là. C'est des moun qui veulent c'est là nous ka nous doit aller, c'est solution idéale là. Mais quand même, je vais garder trois entités. Solution, c'est dans main. Solution pays, c'est dans main nous trois liés là. Et dans main nous liés là. On fait un fonds commun pour nous sauver Haïti. Ça nous a sauvé. Vous avez payé tout business fermé là-dedans. Tout business fermé. Qui est gros, qui est petit. Vous avez payé depuis 4 heures de l'après-midi, ou pas un monde dans la rue. Tout le monde a cherché route la caillou. Mais mettez-vous nous de côté. Mettez-vous nous de côté. Nous connaissons nous Haïti. Nous connaissons nous voulons belle voix Haïti. D'ailleurs, son bon haïtien. Si je regarde Samuel Madistin qui a porté coup de cassation, en 2015, vous avez formé groupe des 8 avec Jovenel, avec Moïse Jean-Charles. Jean-Henri Séan. Hein? Récemment, là, Guy Philippe t'a fondé avec Moïse Jean-Charles. Guy Philippe t'a fondé avec Moïse Jean-Charles récemment, là. En dans Montana, il y a des gens Guy Philippe connaît. Parce qu'en 2004, ils étaient dans la rue ensemble pour te voir Jean-Bertrand Aristide aller. Vous comprenez? Et pouvoir qu'a fait codred là tout. Guy Philippe gen moun parle qui bien avec pouvoir. Hein? Coup de cassation gen moun parle bien avec pouvoir. Moun conseil de transition, hein? Yo gen moun parle qui bien avec pouvoir. Soit nous faisons route ensemble, soit nous faisons route politique ensemble, soit nous ou bien ou bon ménage dans pouvoir, femme ou bien garçon. Parce que nous pas pile vrai, je ne pense à Haïti, puis là nous prend pile. Je ne pensais à Haïti, puis là, nous prenons pile vraiment. Nous rencontrons quand même, depuis nous actifs, nous rencontrons un côté quand même. Radio Omega. Depuis nous actifs, nous rencontrons un côté quand même. Parce que nous prenons pile, mon Jean-Pierre, je pensais à Haïti, son plamé Haïti. Mais situation est grave. L'air est grave, nécessité pour nous faire coup à coup là. Nécessité pour nous retirer Haïti là. Nécessité pour nous faire coup d'à-coup là. Nécessité pour nous dire pays et pour nous lier, nous pas quitter le disparaître. D'ailleurs, pour nous-mêmes, nous là. On ne peut pas entrer dans la genouille. Nous faisons une vieille maladie. Nous faisons une vieille maladie. Nous rentrer dans le gros l'âge, nous maladie. Mais nous besoin côté, si nous malade là pour nous courir aller, peut-être nous avons un médecin privé dans la ville là. Mais si nous avons une intervention, il faut nous déplacer. Hein? Si nous avons une intervention pour nous déplacer. Ah, monsieur, nous d'accord, ou un pays, magasin fermé, petit commerce, gros commerce, l'hôpital fermé, prison pas existé, commissariat pas existé. Pas rien qui a fonctionné dans le pays. Mais quand il y a, faut nous arriver à côté pour nous dire, faut faire coup d'à-coup là. Et c'est pour la première fois Haïti arrive dans Faza, ou pas senti, acteur dans la société civile là, acteur dans la classe politique là. A fait colloque, ou pas senti le secteur privé impliqué dans ça là. Ou pas senti le secteur privé impliqué dans ça là. Ou pas senti yon impliqué dans sa là. Ou pas qu'on position yon dans sa là.
Est-ce que vous avez Philippe? Est-ce que vous avez CP? Bon, si vous parlez, bon, vous avez représentant dans CP, mais secteur privé, son bar est divisé en Haïti. Il y a toute pareille réalité à même gens. Est-ce que vous avez cassation? Est-ce que vous avez CP? Est-ce que vous avez Guy Philippe? L'économie pays est en main nous lié. C'est vrai, dans ce sac là, nous connaissons plus de sanctions. L'assassinat Jovenel Moïse, il y a beaucoup de monde qui dérange, il y a plus de sanctions, il y a des gens qui davantage gardent silencieux. Ils gardent silencieux. Récemment, il y a des gens qui étaient fâchés avec moi. Il y a des gens qui pas contents, qui étaient écrits moi. Mais moi-même, je suis victime pour la vérité. Moi-même, je dis la vérité. Au-delà de tout ça, il reproche l'idée Jovenel Moïse. Comme quoi, l'État a été trempé, la justice pas encore, j'en dis un délit. Et m'a dit non bagay. Reginald Boulos, m'a dit ça récemment. Reginald Boulos, docteur Reginald Boulos, tape là, nous tapons un minimum de solutions. Nous tapons un bagay. Nous tapons un li. Nous tapons un bagay. Ne voulez pas avec nous, comme ça, à soir, dans l'émission, boucanter la parole, on faibli, on bité, mais m'pap tombé. M'a toujours là avec nous. M'a toujours là avec nous. Pour tes émissions, boucanter la parole. Ok? M'a toujours là. M'a fait pile effort pour m'a toujours là avec nous, dans l'émission, boucanter la parole. Nous devons regarder la première partie de l'émission comme ça, avec nous, jeudi. Nous allons parler avec un diplomate qui est très présent dans le dernier jour de yo, dans un pile média dans le pays. Nous allons parler avec un diplomate et nous allons parler avec Pierre-Antoine Louis sous ensemble de propositions qui gen là sous table là c'est avec moi pour parler dans émission boucanter la parole la soir moi pour parler avec hier soir dans émission boucanter la parole nous pas passer un bon petit temps ensemble pour nous garder qui ça doit fait et nous pour garder tous les trois propositions qui à terre là la proposition de monde qui voulait ça arrive gen des monde qui pas exprimer yo qui croit Guy Philippe c'est choix idéal par eux. Il y a des gens qui croient c'est une cassation pour nous aller. Et il y a des gens qui croient CPA c'est un choix. On va parler avec diplomate Pierre Antoine Louis dans l'émission Boucanter la parole à soir. Monsieur Louis, bonsoir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. M'a content fait parler ça avec vous à soir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, on a parlé avec Pierre-Antoine Louis, diplomate, sous ensemble de propositions qui sous table là, pour nous regarder et compréhension li et comment nous capable de sortir. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Bonsoir, frère. C'est avec plaisir que je vous écoute. Parce que je ne sais pas vraiment connaître qu'elle existait. Je me retrouve dans ce soir de là, quand tout haïtien, bon, moi. Moi, choqué, moi, ébahi, moi, stupéfait. Meurtri dans l'âme que les compatriotes n'ont souffert comme ça, nous pas en guerre contre aucun pays, mais nous quittons contradiction interne dans la société, fait nous aujourd'hui avec la mauvaise façon de faire la politique. Et nous, 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 la parole. Eh bien, justement, c'est ça nous va laisser garder là avec vous, spécialiste en relation international sous ensemble de propositions qui sous table là. Bah connait sous les dit des mots sous sac passé et dimanche 24 et puis jeudi à au nouveau président au Sénégal. Connexion pas trop bien. Alors, on essaie faire l'autre contact et pour nous capable parler avec Pierre Antoine Louis qui est spécialiste en relations
international pour regarder réalité nous gain là avec professeur Louis dans émission Boukanté et la parole à soir. Espérer pour nous passer oui là n'a pas essayé garder réalité à nous t'a essayé prendre par l'autre moyen parce que communication okay. Oui, c'est vraiment très bien là. Alors oui, moi t'ai demandé où comment t'es pas où sous élection ou bien investir nouveau président Sénégal là. Bon Sénégal c'est un pays qui a une stabilité, relative parce que bon effectivement vous gardez la parole difficulté économique bien que comparé à Haïti ça marche nettement mieux. Donc, de temps en temps, il y a des petits problèmes de stabilité. Par exemple, l'actuel président, il s'est tenu en prison jusqu'à 11 jours avant les élections. Oui. Je suis avec un confrère, lui, Andy, et je s'est protégé à M. Sonko, qui était en prison ensemble avec elle. Donc, de temps en temps, il y a des petits problèmes, nous, mais si nous avons un problème au Sénégal, ici en Haïti, mon cher, on tape bien. Parce que depuis 220 ans, mon cher Valanda, il veut dire, d'ailleurs, le Sénégal a construit une nouvelle capitale, Damnadio. Le Sénégal fait un bel aéroport qui fait construit, un flambant neuf, moderne. Donc, le Sénégal jouit d'une stabilité relative. Mm-hmm. Bon, le président a fait tentative pour ne pas faire l'élection. Effectivement, bon, par la force des choses, avec un pouvoir judiciaire, un coup suprême qui. En juin président pour lui faire élection, pour lui quitter le pouvoir, alors pour le quitter. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est bien, et moi, le nouveau président, l'IAP, recadrer politique étrangère pays, lui, parce que je pense qu'il estimait que relation avec la France, ce sont des relations que lui estimait qui pas adultes, mm-hmm. et que qui pas respecter la souveraineté du Sénégal. Pour moi-même, penser que c'est d'extrêmement bon ton maintenant. Jour que pays de Saline, ouais, pays Pétion, pays Christophe, là, nous prenons comme figure, nous, et puis nous prenons qui nous pas accepter l'objet, nous avons parlé de corps groupe des amis d'Haïti, pays pas comme mes amis. Radio Omega. Parce que ça va passer au Sénégal, là, malgré des difficultés, c'est extrêmement positif. Oui, alors, et, Haïti, c'est extrêmement. Non, extrêmement bonne position, sinon tu as un leadership relativement jeune qui prend le pays en main et qui mette nous son rail de développement. Mm-hmm. Ça tape bon. Mm-hmm. On a regardé Ousmane Sonko, où il fait prison ensemble, et c'est lui déjà nommé comme premier ministre. Qui est-ce qui est nommé comme premier ministre? C'est Ousmane Sonko. Allô? Oui, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Ah, ok, oui, bon, ok. Bon, dans ce cas, attendez, ça va marcher bien, mais oui. C'est un peu. C'est vraiment positif. Son jeune garçon qui fougue tout. Bon, il était un petit problème juridique. Lui. Bon, moi, j'espérais que Sénégal continue vers cette marche. Et d'ailleurs, Sénégal avec Haïti, il y a un parallèle dans l'histoire pays qui sorti dans le milieu intellectuel là. Bon, le président, au conseil de la Sénégal, le premier président, dont on t'a parlé de. On t'a expliqué population et parcours présidentiel sénégal. Depuis la présidence de Sénégal, qui volontairement quitte le pouvoir là, et Sénégal, et bon, Sénégal avec notre région pour l'instance nationale. Et puis avec Aimé Césaire, ce sont les pères fondateurs de l'Union actuelle. Donc Sénégal a peut-être des Haïtiens, des Mounanous, dans cette nous qui passaient par l'île de Gorée, qui était Yunnan, côté port Andy, que l'Empire français a utilisé. Où ils ont fait trafic d'esclaves entre l'Afrique et notamment la colonie, l'ancienne colonie de Saint-Domingue, qui s'est précurseur de la République d'Haïti. Donc, au moins au niveau intellectuel, nous avons ça en commun. Et d'ailleurs, le Sénégal, qui est un contingent
de force de unité de police constituée. Ça a eu le SWAT là, et ici pendant le ministère d'ailleurs, il y a un homme qui était posté à Okaï. Radio Omega. Il était basé à Okaï, donc Sénégal. Et était fait porter contribution lui pendant le ministère, et Sénégal maintenant, tout dégât qui était fait, yo, donc son pays frère, qui peut-être a fait un parcours, qui était capable de. Montrez-nous une façon, enfin, qui j'en ai qu'à ordonner la société pas nous, bien que le contexte soit extrêmement différent. Son pays à majorité musulmane, bon, nous-mêmes, nous à majorité chrétienne, mais ce sont des frères africains. Et nous saluons les Sénégalais et nous espérons que Boumbaga n'a pas qu'à faire. Nous saluons les qui vont inspirer des jeunes dans le pays pas nous, qui vont prendre la relève pour retirer nous dans la classe politique visqueuse. Et crétine, incompétente, on dit j'en même pas plus de soulever, qui mène nous côté mieux la journée. Seulement, m'a souhaité nous expliquer la question de madame Nato. Oui, bon, alors. Oui, on ne paye pas et vous faites. Oui, au Sénégal, le monde marié, ou bien pour du moment, le moment où elle marie, ou choisi, polygamie, et assez souvent. Bon, par contre, dans la zone où il y a sous-positionné ou bien, mais après l'eau, on l'autre façon plutôt au lieu de faire col direct là. Sans penser. Bon, faut un petit bouger pour nous voir si ça a marché. Mais là, ça me bave les bonnes punitions, moi, c'est votre très bien là. Ah, parfait. Oui. Non. Malheureusement, l'autre coin. Je m'appelle Mchita, donc si vous entendez bien, et auditeur, auditrice, si vous entendez bien, c'est mieux. Oui, d'accord. Ou d'abord, au Sénégal, l'opra le marié. Oui, l'opra le marié au Sénégal, ou choisi polygamie ou bien monogamie. Mm-hmm. En principe, vous êtes supposé respecter le parce que madame n'a le marié avant, en comprenant que vous pouvez respecter le choix offert. Mm-hmm. Maintenant, les Haïtiens doivent connaître que la religion musulmane. Un garçon, mais pas fille, autorité, vous cantez la parole ou bien droit, si vous voulez voir le constat, pour bien jusqu'à 4 épouses. Mais, d'une façon pour ça fait, vous comprenez, nous parlons de marché pour un monde. Prenez mon mariage avec là, il y a un droit pour le connaître et pour l'approuver, mon mariage avec là après. Et puis, chaque madame successive, il y a un droit approuver l'autre là. Donc, au Sénégal, c'est parfaitement légal. Donc, il est difficile pour Haïtien peut-être pour comprendre qu'on a gagné deux premières dames. Mais bon, comme on connaît, ça n'a pas nécessairement approuvé l'adultère. On a dit que grand peu le monde qui, bon, fonctionnellement, qui deux jurés adultère, on voit qu'il y a plusieurs madames. Donc, il y a un officieux. On voit que madame n'est plus gentille, madame à côté. Mais au Sénégal, de façon légale pour sa fête. Et actuel président. Il faut que ça pas, donc monsieur, c'est comme ça, monsieur. Mais est-ce que ça valable pour mesdames au Sénégal, yo ka gen plusieurs maris tout? Non. Non, pas comme Sénégal, c'est pas accepté, mais ça. Ok. Non, Sénégalais, en général, non, Africains, yo très protecteurs de l'indépendance, et puis, yo très, très, très protecteurs de chasteté, madame, yo. Vous comprenez, c'est. Non. Il va aller dans l'autre sens. Non. Alors, pas seulement en Afrique, pas seulement au Sénégal, peut-être. Je ne bon, pas jamais au Sénégal, mais c'est une lacune qui vient. Je passe un peu de temps en Afrique d'ailleurs. Je travaille en Afrique pour l'ONU pendant presque 10 à 11 ans, mais je n'ai pas jamais eu chance au Sénégal, malheureusement. D'après, c'est fait tirer les ça, et pour nous regarder, et vous dire, vous souhaitez ça fait au Sénégal là. Li capable de servir nous de boussole et pour nous bailler nous en l'autre direction. En rentre... bon, excusez-moi, nous va laisser pour l'autre direct là parce que nous n'avons pas tout de même. Nous n'avons pas tout de même à distinguer ce qu'on dit. On utilise l'autre moyen. On a utilisé l'autre moyen, on met garder téléphone. Ok. D'accord. Bon, là, on a essayé de parler là avec Pierre-Antoine, lui, et spécialiste en relations
international. Ensuite, moi passé très rapidement. Oui, mais c'est là, je pense que je regarder ça avec lui. Là, on va regarder la possibilité ça avec. Oui, là, où est-ce que vous là? Nettement mieux. Eh bien, on va regarder là. On rentre là, quand nous, pays a, moi, saute décrit lui. Nous, nous, crise depuis après assassinat Jovenel Moïse. On dit quand même dit depuis existence Jovenel Moïse comme président de la République, arrivé Ariel Henry dans tête pouvoir, situation pour Alvin empirer dans main nous et jodi a Ariel Henry voyager, moi crois c'était 29 février 25 ou bien 29 février depuis les salles pas tourné. Ça veut dire nous presque 9 mois et demi depuis Ariel rete de au pays a aéroport nous fermé pour nous pas fonctionner. Censé toute activité en d'un pays a pas fonctionné et Pierre Antoine Louis. Mais je dis à gagner pile proposition sous table là. Gagner CP qui c'est Conseil présidentiel, gagner Guy Philippe et depuis sortir dans prison qui rentré là, qui fait un pile virer en d'un pays a et un pile monde croit dans la diaspora, yo croit Guy Philippe c'est peut-être solution idéale là. Pendant CP a lui-même l'y a construit en pile monde t'es capable d'y CPA presque fini. Gen yon l'autre groupe qui vini, yo di l'autre solution, faut nous rete pi pre constitution, faut que nous aller nan cassation. On garde trois options qui sont là, je dis là, on garde au point par point. Tout d'abord, on a regardé la question de Guy Philippe avec vous. Bon. La question de Guy Philippe. Guy Philippe vini sous Sénat, quoi, le 30 novembre, le, il retourne sur les États-Unis. Après, il était fin basé 6 ans et demi en prison, côté, il était recevoir en peine de 9 ans, 9 fois 12, 108 mois de, d'emprisonnement, parce qu'il était plaidé coupable de blanchiment d'argent, issu du trafic de stupéfiants. Bon, c'est pas moi qui a dit. Tout le monde calme sur Internet, il y a Pouel. Donc, puisque si l'idée qui était procès à fait, et puis aujourd'hui, les coupables étaient plus on plus grande peine, il est d'accord pour le plaider coupable, pour reconnaître les faits. Parmi les faits que nous reconnaître, c'est que reconnaître, selon ça, et le département de justice des États-Unis d'Amérique dit, d'avoir reçu entre 1 500 000 et 3 500 000 dollars, et issu du trafic de stupéfiants. Maintenant, bon, il passé 6 ans et demi en prison, et puis il retourne dans le pays. Et puis, bon, il retourne, il vient voir le pays dans la situation actuelle côté de là. Bon, c'est au monde qui, il y a 20 ans, qui bon, était en charge d'une rébellion qui menait jusqu'à capoter président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Mm-hmm. Et un diplomate américain qui dit, numéro 2 ambassade là en ce moment-là, M. Moreno, qui était chargé de mission adjoint, c'est-à-dire l'adjoint à l'ambassadeur des États-Unis, M. dit, le Guy Philippe Vigny, pour la rentrée dans le palais, c'est lui-même qui dit Guy Philippe, non, pas capable. Mm-hmm. Parce que les SA, les troupes américaines qui étaient déjà sur le terrain. Bon. Bref, 20 ans plus tard, c'est comme quoi, Haïti n'a jamais changé. On toujours progresser, devant en arrière, on part en avant. Bon, voilà, nous n'en sommes là aujourd'hui. Maintenant, bon, écoutez mon frère, tous les citoyens, toutes les citoyennes ont le droit de participer dans les affaires politiques de leur pays. OK? Donc tout Haïtien doit participer dans la politique pays, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, difficulté qui gagne, c'est que. T'es grand pile monde, le Guy Philippe tournait, on commence un mouvement qui te pensait que Guy Philippe, au fait, t'as pas pour ton solution à problème sécurité. C'est-à-dire, problème sécurité, solution, son solution qu'apprend de coup à moyen terme dans la mesure où c'est pas sécurité. Dans tête PAM, c'est pas sécurité, problème, non. Dans tête PAM, c'est l'effondrement, du système politique avec ses ramifications économiques et sociales qui menait à violence que nous vivons là. Donc, violence là, c'est conséquence ou bagaille, c'est pas violence là qui causait effondrement. Donc, et à crise nous vivons là, il y a des gens qui pensaient qu'au moins, pour l'assiègement, on dit des corridors sud-sud-ouest, nord, est et ouest,
de la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a des gens qui étaient pensés que Philippe n'était pas pour ton solution. Maintenant, Jean-Marie Lavigne paraît là. Semble que Philippe range un peu plus du côté de revendications que on serait des monde qui gagne âme qui formé on bagaille yorelé à vivre ensemble et bien que moi il demandait que mon permettre peuple à manifester et pour yo, sinon déposer les armes mais ben on met levé pour mon capable vaquer à occupation yo. Donc on certaine ambiguïté dans position Guy Philippe ou bien parti petit Desalines qui dans le moment que tu avais formé ça ou le conseil présidentiel là qui te semblait li font alliance avec Guy Philippe côté il te mettre dans une triumvirat qui t'a gagné ça dire trois monde bien trois qui t'a gagné un juge de la cour de cassation et puis Guy Philippe avec un autre monde moi parti petit Desalines vient faire un revirement en dit spectaculaire donc on aspect international dans bagarre là tout dans la mesure où Guy Philippe sorti, j'en nous dis là, dans la prison aux États-Unis. Donc, au regard du poids de la communauté internationale, spécifiquement les États-Unis d'Amérique, pas que l'autre bagarre nous a dit, c'est ça lié. En Haïti, et Mounsao, c'est un peu ce qu'a fait dans le pays. Maintenant, ces situations, j'en lié là, je vous dis, moins plus quoi que. Au regard des difficultés que M. Guy Philippe a gagné avec la loi, bon, nous reconnaissons que la justice haïtienne, pour le moment, n'a pas reproché rien. Il n'est pas jugé coupable, ni pas jugé en Haïti une peine affective et infamante. Donc, nous ne connaissons pas qui ça a venu la porter pour Guy Philippe, mais c'est un monde qui, je dis à la, revendiqué une certaine notoriété politique. Et il croit que, bon, c'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui dit, que le tadoué, il y a un monde que l'on considère comme un palais national. Mais, moi-même, quand j'analyse, m'a regardé, moi, ça tape extrêmement difficile. Parce que, on avait un tel passé, à la tête de l'État, comme chef d'État, t'as posé un grave problème pour la communauté internationale en Haïti et pas seulement les États-Unis. Donc, vous voulez dire là, tout le monde fait là, professeur Pierre-Antoine, lui, on Guy Philippe, dans tête pays, l'international là, pas bien où est-il? Bon, ça tape extrêmement difficile. Et je pense que Guy Philippe, qui, encore une fois, son citoyen, comme moi-même avant, qui ne doit participer dans l'affaire pays, lui, mais pour le moment, au regard de la complexité de situation, hein, je pense que, et peut-être, il a bien indiqué, si M. Guémoun a conseillé, si M. garde la situation, hein, que M. est capable, peut-être, d'observer beaucoup plus, garder comment Bagayo a développé, et il a dû évaluer, est-ce que nécessaire, au moment de la transition, nous sinon qu'à alléger souffrance population hein, sinon stopper nous vivons nos dispositions côté gagner une formule qui permette tout haïtien de revendication y compris compatriotes nous qui prennent les armes t'as gagné une formule de justice transitionnelle qui permette nous jouons une façon pour traiter question ça parce que ce qui est extrêmement important pas big apes pour battre tout menti comme quoi on pense on va trouver une solution militaire policière ou bien encore on va tuer tout le monde ça pour rentrer dans une guerre civile fait couper fait donc on pense que citoyen qui remet pays certes on pas capable juger lui par rapport à l'amour pour pays t'as dû évaluer est-ce que moment opportun pour le fond forcing, dans les conditions actuelles, est-ce qu'il y a bon pour lui, est-ce qu'il y a bon pour Haïti? Ça reste à voir. Mais ouais, lui, depuis qu'il fait une déclaration et qui paraît n'est qu'il y a des âmes dans les mains, que vous êtes les citoyens ou même, et ouais, Mounsao, il est intéressé à parler national, et c'est comme si vous êtes capable de dire, il est sermenté par tous les moyens, il faut qu'il rentre en dedans par l'air. Allô? Mon
cher. Et oui, allô. Non, vous m'entendez? Moi m'entendez, vous m'êtes avancé. Allô? Oui, vous m'êtes avancé, vous m'êtes avancé. OK, OK. Bon, en fait, oui, oui. Et monsieur Valet 5. Il me dit que Il fait une politique de la vie, passons de pays à développer à l'état d'un pays à l'état à recouvrir la plénitude de sa souveraineté. Parce que pendant moi, on n'a pas la voilà, on est d'accord que si CARICOM a facilité un dénouement politique, c'est parce que nous avons un problème de confiance. Nous avons toutes sortes de problèmes pour nous mettre nous d'accord, mettre deux haïtiens ensemble, des difficiles bio d'accord. Donc nous avons des problèmes. Mm-hmm. Et que dans ce moment-là, vous comprenez pas la politique pays, même qu'a dit que lui-même il a une évaluation pour le faire, est-ce que moment opportun au regard de complexité situation là, vous comprenez pour lui peut-être garder. Est-ce que le PAC a fondé vous cantez la parole toujours s'il travaille le système politique là en chance, malgré toute l'obéir que vous faites dans le pays, à me reconnaître, pour nous être capables d'avancer, quitte à ce que les élections pour l'organiser, et puis selon les règles qui existaient, lui-même, il va garder est-ce que le PAC a candidat. Donc, c'est le PAC a dit. Mais pendant que voilà, comme la justice haïtienne va reprocher M. rien, bon, je ne suis pas capable de dire que le PATAC a participé dans l'affaire politique pays. Alors, vous vous dites à l'air, Guy Philippe n'a pas les national, l'international est capable très mal ou elle, mais pour qui ça, ou encourager lui pour participer dans l'élection plutôt? Non, bon, en fait, c'est pas que m'encourage. Non, alors, moi, m'a dit, alors, ok, bon, m'encourage, m'a doublé à m'dou l'autre bagaille. Si vous demandez mon opinion, ouais, alors, sinon, si m'a fait ça, donc, ou pas de raison pour inviter m'là, ouais, mais ça va bien sens pour les gros auditeurs. Regardez, au regard du fait que citoyen lui-même, li participer dans une procédure juridique, bien que bon, après elle était vraiment gagné le choix, il vient là, il prend, il transfère, c'est pas une extradition parce que bagage ça aussi, Yannick Vigneault prend mon nom, il livre le bablan, au niveau juridique, bagage ça, parce que extradition, de façon, le fait, ça fait en Haïti, le bon citoyen haïtien, Yannick Lagel bablan, sans que le papa c'est devant un juge qui vous garde qui ça reproche elle. Est-ce que l'aéroport, est-ce que bon d'ailleurs, est-ce que bon traité de ça dit? Nous comprenons là, on a fait émission dans un contexte extrêmement difficile puisque Fon crée. Vous cantez la parole? Pour nous capables de parler avec Pierre-Antoine, lui, il y a une question de signal. Et côté, il y a une question de communication, si vous voulez, comme ça, on a essayé d'utiliser tout moyen possible pour nous capables de parler, parce qu'il faut nous garder question, conseil et transition, CPA, conseil présidentiel là, et nous devons garder avec les tout, nous devons garder avec les tout, et pour le monde qui opte, c'est dans la cassation, nous. C'est extrêmement difficile, je veux dire, là. Oui, bon, on est CPIA, oui. Et tout barré est en bas. Exactement, même temps d'eau bien. Alors, m'a dit que, pour moi-même, il y a un haïtien qui n'a pas donné avec M. Philippe, mais qui prenait un sens de moralité dans la politique, un sens de moralité dans les affaires publiques, qui n'a pas justement questionné que un monde qui a un type de difficulté, ça, t'as capable de vivre au sommet de l'État,
et moun sa yo, si yo ta pensé ça, yo, c'est de plein droit que vous avez posé cette question, est-ce que ça parle pas le pape vin fait d'Haïti, un pays que vous regardez comme suspect, vu les faits que vous avez reproché les citoyens et que lui-même dit admettre nos procédures aux États-Unis, c'est ça que je veux dire. L'on dit pas être suspect, qui sauve les dire, pas être un petit peu plus clair, mon nom. Bon, Oulad, au moment où tu es plein de coupables de blanchiment d'argent pour trafic de stupéfiants, dès lors qu'on arrive à la tête d'un pays où tu as gouverné le pays, ça t'a posé un pile à pile problème pour le pays. Tu as mis le pays sous supervision dans son système bancaire, il y a des chefs d'État étrangers qui t'ont refusé d'être avec vous, et il y a des forums internationaux où aller. Il t'a pour se voir mal, il t'a extrêmement maladroit. Je me connais une diplomatie faite à travers le monde. Mais situation li extrêmement difficile. Les gars amis ont poussé et ont coué ses choix par yo, puisqu'il parlait de amnistie. Comment utiliser des groupes ça yo? L'homme dit des groupes nek qui gen zam nan men yo et Guy Philippe. Comment utiliser le? Comment aborder question ça? Puisque situation li grave. Bon, c'est extrêmement grave et moi pense que ça va remonter. Moi comprendre tout citoyen qui a souffert dans le chair. Ok, bon, pas subi ça, tout le monde subi, mais moi là dans le pays, moi vis dans le pays. Moi, wow, c'est extrêmement difficile la situation. Et je t'ai dit là, dans l'introduction, dans l'analyse, je ne pourrais pas tirer mission, moi senti toutes sortes de sentiments. Moi bouquet. Je suis fatigué, je suis en liberté pour mal au sud, parce que moi-même c'est mon tobet, c'est les Pétionville, moi-même, les Pétionville de l'école de l'institution chrétienne, de l'école de l'Université François Duvalier de Pétionville. Donc, moi j'ai senti tout ça qu'a fait là, en chair, moi, un problème de sécurité, le président qui a assassiné dans la cabane, et tout l'obé qu'a fait là, moi comprendre que des citoyens qui viennent de revendications, il y a un problème d'exclusion économique et sociale dans le pays, il faut comprendre ça. Et le système politique, pas jamais fait ça pour le faire depuis presque les 200 ans d'indépendance du pays, sauf de quelques rares instances, par exemple la présidence d'Antoine Simon, la présidence de Jean-Marcel Estimé, la présidence de Paul-Eugène Magloire, côté de quelques initiatives et d'infrastructures qui sont dans le pays. La dernière plus d'infrastructures dans le pays, c'est le barrage de Pénible, qui a commencé sous le président Estimé, Nec Verrette, la Thibonite, Nec Trois. L'ex-sérieux qui était organisé l'exposition universelle, qui était bâti centenaire, qui était le joyau du pays, de la Caraïbe, Malécon, la République dominicaine n'a pas qu'à paraître, Malécon, Havana n'a pas qu'à paraître de sa bicentenaire, nous avons assez de comme ça. Bon, de mer, c'était spectaculaire, c'était un bagaille, c'était une fontaine lumineuse, c'était vraiment, ouais, les lumières les soirs, et puis on jouait musique classique, c'est extraordinaire. Haïti, c'était le pays phare du tourisme jusqu'au dans les années 80. Le Dominicain aussi est jaloux de regarder Haïti dans le domaine ça. Donc maintenant, nous quittons le pays à craser. Mais nous avons un problème de politique commerciale et industrielle pour nous attirer des investissements étrangers. Bon, après Duvalier finalé, après moi le déluge, et pas de tout encore, et stabilité relative l'a crasé. Bien ça, généralement, fitéré les bamboches démocratiques, côté que le président monté, le président a été pris deux coups d'état, bon, nous ne pouvons pas prendre sous ça parce que nous avons aussi parlé de solutions. Donc, il y a de nouveau dit à nos situations, côté, comme nous ne pouvons pas créer emploi, comme nous ne pouvons pas jouer une opportunité, comme tous les regards de ce pays sont tournés vers l'extérieur, tout qu'on a cherché GTO, tout qu'on a cherché un bout de visa, programme Biden, qui dessine le pays, qui prend pratiquement tout le monde qui est allé dans le pays depuis janvier 2023, qu'on a fait 220 à 150 000 personnes qui pour la plupart classement qui quitte le pays. Donc, il y a un problème d'exclusion, ou la mauvaise façon de faire la politique. Quand on a fait la politique, on va aller dans des bases. Je mets des âmes dans mon paquet de jeunes garçons. Et nous n'avons pas contre les âmes, nous n'avons pas contre l'ammunition. On peut les sortir pour la plupart, presque 100% des États-Unis, soit directement du sud de la Floride, envoyés par des Haïtiens, dans des colis, boum, tout bagaille, qui sortit et dans le port de Miami, port de Verglades, ou encore dans la rivière de Miami,
tout le monde a voué Doum, Fatra, Lobey, ou tout le temps, et puis l'autre dame qui a passé à la frontière avec la République dominicaine est un peu moindre. Et le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc, nous avons une ville de génération qui est en même temps. Et ils n'ont pas gagné l'autre opportunité. Nous avons utilisé dans la politique, nous avons regardé une situation extrêmement détériorée au niveau économique et social. Nous avons utilisé les amis pour imposer. Bon, maintenant, c'est dire que les élites intellectuelles, économiques et politiques, ça ne nous pas excuser le fait que tout le monde a une société donnée qui commet des crimes parce que c'est l'État qui suppose que le monopole de la violence est légitime. Là où prend les armes pour violer la loi, c'est pour la République, le système judiciaire, pas tolérer l'impunité pour vous poursuivre. De même tout, mon cravate qui a fait l'objet dans le pays, qui a volé, et qui n'a pas le mal, ils utilisent des machines officielles pour faire toutes sortes de trafic, pour piller l'État, pour craser et bah, l'État, pour interférer dans la justice, pour interférer dans le pouvoir judiciaire, ils font contrebande à la frontière, tout bagage ça. Donc, c'est comme ça pays a été le crasé. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que nous allons chercher des choses la parole. Une multinationale d'appui à la sécurité. Pour nous comprendre que nous pensons que nous allons trouver tout le monde. Ça. Bon, nous pensons que il est vrai que bon paquet qui s'est fait. Il n'est pas normal pour nous bouler l'hôpital, pour bouler sa distribution de médicaments, pour bouler l'école, l'université, pour pharmacie à bouler, nous a bouler, caïmale à bouler, édifice l'État à bouler. Ça pas normal, pas de revendication pour nous dans la société pour faire ça. Personne n'a accepté ça. Cependant, il y a une conversation qui vous fait dans le pays qui genre question ça après le traité. Maintenant, moi-même, technicien, moi qu'on est, diplomate technicien, qui passe on a fait de, autour de 11 ans comme ça dans le système des Nations Unies, y compris dans la mission de maintien de la paix au Kosovo, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, moi connais que bon formule qui est les démobilisations, désarmement et réintégration DDR qui existait dans que la communauté internationale la reconnaît, qui permettent leur pays en proie à ce genre de criminalité, ou encore à une rébellion, ou encore une guerre civile, s'il en est le cas, et une formule qui permette mon guérison pour déposer les armes. Puis, une formule de justice transitionnelle, côté capable de commission de vérité et réconciliation, j'ai fait en Afrique du Sud, côté reconnaître les crimes qui étaient commis dans la part, et mon nom vigné, il témoigne, lui reconnaître crimes qui étaient commis. Donc, il n'y a pas pour contenir la donne. Ce sont des choses qui existent, des situations qui existent et de l'autre côté dans le monde là. Mais de là à parler comme si d'amnistie, comme si de rien n'était, et puis en même temps, ça ne peut pas déposer des dislocations sociales, puisque 300 combien de monde déplacés, pour bien affaire de plus que 5 000 monde, autour de 5 000 monde qui ont dit qu'ils mourraient l'année passée. Alors ça, c'est monde que je suppose que mon cap côté, je te recommande, je te rapporte mon mourir. Mais il y a des gens qui mourent parce qu'ils n'ont pas à l'hôpital. Et mortalité infantile déjà très élevée en Haïti, mortalité et de maman moun ne l'a pas couché, femme ne l'a pas couché, mourir en plein en Haïti, c'est côté sa pire élevé dans le Caraïbes là, et un pays sa pire élevé dans l'hémisphère là, dans les Amériques. Donc, il y a un paquet de monde qui mourit, que personne ne la connaît. Ou capable de dire, ou c'est des dégâts sur les collatéraux de différents enfers qui n'a vivent dans le pays. Donc, si on a parlé d'amnistie, il faut parler tout de, et, ou bien encore, on va parler de réprimer la criminalité. La criminalité, ce n'est pas mon guide, c'est mon frère. Il y a des mecs guidés dans l'État, qui est de mener nous continuer la journée dans la mauvaise façon de faire la politique. Il y a bon pour Haïti, pour bien une formule qui permet de nous guider dans l'État. Expliquer qui est-ce qui patron, qui est-ce qui démarre aux amis, qui est-ce qui dévend, qui politicien qui démarre au qui ça. Et que ce n'est pas mon ça seulement, sans que je vais excuser mauvaise conduite, bon, je suis républicain, dans le sens que, moi, je crois que nos républiques,
le peuple souverain dit bail mon cap gouverner au mandat à travers leur vote pour diriger l'État. Et que toute force asymétrique, tout le monde qui campait en face de l'État, qui pas dans les forces armées, qui pas dans la police, ils ont une situation illicite, illégitime, illégale. Nous avons l'État a un droit, selon le droit international, selon le droit international, pour l'État poursuivre. Mais ce n'est pas nous avons seulement le problème, c'est aussi commanditaire. Moi, je reconnais que le groupe ça devient de plus en plus autonome parce qu'ils ont kidnappé les gens, ils ont fait comme, ils ont détourné les containers, ils ont fait comme, ils ont extorqué l'argent même, ils ont fait comme. Mais l'État a bon pour une formule de justice transitionnelle, de vérité et réconciliation, qui permettent de nous connaître qui est-ce qui peut initier mon Sahara dans le problème. Non. Parce que ce n'est pas normal pour nous penser qu'on va jouer tout le jeune garçon Sahara et puis mon qui peut initier dans l'objet là, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Donc, selon cette formule, qui c'est une politique publique qui peut y appliquer, qui permet de nous une porte de sortie qui est pour nous gérer et problème de groupe mon qui vient ça. Et puis bon, on dit, bon, l'autre façon de faire tout. Le président Nayib Bukele à El Salvador, bon façon le faire. Monsieur Tessé est fondé avec Gangio. Ça va marcher. Et puis, bon week-end, côté négocié, on a fait de 79 mounes en 72 heures. Le président Bukele a décidé assez. Monsieur Gain Force Armée dans même, monsieur Gain Police dans même, qui a assez performant. Monsieur a arrêté 75 000 jeunes garçons. Il fait prison le météo. Il y a des gens dans la communauté internationale qui parlent en pile, ou bien radoté, soulevé les États-Unis, l'Union européenne, se préoccupent. D'ailleurs, dans les Amériques, nous sommes héros dans tout pays côté de crime. Donc ça, c'est l'autre approche. Donc, tout bagage ça est supposé débattre. Donc, moi-même, je suis technicien, je ne m'ai pas parlé de comment ça a fait. Mais, il y a des situations qui sont réelles en Haïti, il y a une réalité haïtienne que nous devons garder. Ce n'est pas toute solution sortie à l'étranger qui peut l'adapter en Haïti. Donc, nous avons une situation particulière, nous. Façon dont vous garder le problème, non? Qui garder toutes les dimensions, problème d'exclusion, et problème de mauvaise façon de faire la politique qui met des armes dans le même monde. Si pas de silence, pas de volet. Donc, on ne peut pas prétendre que vous allez venir avec une mission multinationale d'appui à la sécurité, comme quoi vous allez tuer tout le monde sur ça au bout. Même comme les internationales, là, pas rentrer dans le logiciel. Donc, on formule qui vous joigne pour nous adresser question ça. En tout cas, n'a pas pour nous parler et sous question la police avec la mer parce que Nayib Bukele ou point comme exemple là, moi veulent quoi la Kaili ont confiance totale qui établit ni dans la police là ni dans la mer que je dis à qu'il n'a pas gagné dans la police nationale d'Haïti. Nous avons un problème de commandement, problème de moyens matériels et humains, problème d'intéressement. Et la police et les forces armées d'Haïti existent à vous cantez la parole. Donc pas gagné les cap dirigeants en Haïti, donc malgré bonne volonté Boudio, bon, voilà, situation salière. Donc les 6 millions et demi de Salvadoriens gagnent mon cap dirigeant, et Nayib Bukele son leader qui fait preuve lui, au moins ou le même de brigand deuxième mandat l'IFEL, le peuple a pu publicité la plus de 83%. Donc nous bien loin de situation ça, absolument. À nous rentrer dans l'autre proposition qui est sous table là, nous font bon petit parler sous ça, nous font bon râler sous ça, et il y a des explications bas, moi quoi, il y a des échanges qu'a fait avec nous là, il y a des monde qui satisfait des réponses yo, comme ça tout gagne pile goy et Pierre-Antoine lui, c'est ça qui démocratie. Ce qui pas dérangé. Le CP qui a pas avancé et puis Brit Soukou nous tendait bon parole cassation qui parler. Bon, regardez, bon me dit d'abord que moi, c'est une monde qui était sceptique. Le quoi, c'était peut-être groupe de Montana qui pouvait venir avec l'idée que il n'est pas normal pour son seul monde qui veut voir le chef de gouvernement et puis de facto chef de l'État. Parce que toutes les institutions, les deux institutions politiques de l'État, à genoux ou bien dysfonctionnelles, si vous voulez, n'a pas parlé de la présidence. Y compris, enfin, du pouvoir exécutif, y compris dans, enfin, bon, dans sa façon bicéphale, la présidence et la primature, et encore le pouvoir législatif dans son sens bicaméral, la Chambre de députés et le Sénat. Donc, moi, plus de deux chambres, ça, ou même la Cour de cassation des juges qui m'entend, donc qui fait que dans une décision pas capable parce que la Constitution n'a pas de prévoir une situation côté comptable là et de façon extrêmement habile
et depuis 2016, nous n'avons pas fait élection. Si c'est 8 ans, c'est extrêmement difficile et dommageable pour un pays. Pour exister dans une situation de vide institutionnel, ça, qui est déconduit, et bien que ce n'est pas ça seulement comme facteur, avec vague de violence que nous gagnons là, qui fait que nous avons posé des questions, donc questions d'amnistie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et moi, je suis sceptique par rapport à le conseil présidentiel. Là, d'ailleurs, je ne suis pas trop maintenant jusqu'où il y a, parce que. On est capable de créer un organisme qui gagne les attributions, qui jouit, ou bien qui encore, qui jouit des attributions, doté des attributions présidentielles, sans qu'on parle au conseil présidentiel, parce que nous-mêmes en Haïti, notre conception du président, c'est un chef suprême, le premier des citoyens, et qui, dans l'imaginaire collectif, qui décide comme bon lui semble, c'est comme quoi le pas même mon personnage. Constitutionnel, c'est un personnage d'ailleurs légendaire et mythique qui a des attributions à la fois de bon Dieu et puis de premier citoyen sur terre. Donc notre conception épistémologie, sociologie, anthropologie haïtienne fait que l'on crée une institution et vous créez, vous mettez dans tête que vous avez 7 personnes qui vont exercer les pouvoirs présidentiels, vous comprenez ça qui sonne mal dans tête. Moi, j'ai un petit papier pour moi si je vais orienter des bails. Et puis je me pensé, comme de gagner un précédent sur le Conseil national de gouvernement CNG, que Jean-Claude Denis est en place, le d'après le quitté Haïti, et il a gagné la donne 4 militaires et 2 civils, dont Gérard Goug. Et puis quelques jours plus tard, Babala d'après l'écarté, que Gérard Goug avec l'autre civil l'a démissionné. Il y a deux militaires qui démissionnaient. Après ça, ils ont été remplacés par deux autres militaires. Et le conseil a été militaire avec quatre militaires. Il a duré 2 ans. Et puis, le général Gosset a voulu faire un coup d'État, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, il y a un précédent aux ONG. Ça a marché mal. C'est un problème. Mais il y a un précédent. Maintenant, comme une constitution, hein, pas applicable, pas prévoir que tu as bien vu ça, que tu as une bonne situation côté qu'on n'a pas fait l'élection depuis tout le temps. Et il y a un amendement constitutionnel, quel que soit Jean-Moun Blin, version créole pas adoptée, ainsi de suite, mais dernière élection a été faite sous l'égide de la constitution, que tout le monde qui a fait l'élection a été d'accord que c'était. Constitution, j'en ai amendé. Le amendement fait en 2011, il a retiré l'article 149, la Cour de cassation dans la succession présidentielle. Donc, pour l'avoir, l'autre citoyen, ok, secteur qui forme le conseil présidentiel là, nous capables de chita, constitution inapte, il n'est pas applicable en l'État, et puis nous formule pour nous ordonner l'État, nous casser ça. Mais ça n'est pas qu'à faire. On n'est pas capable de demander un juge de cassation qui jure pour respecter la Constitution, et pour lui-même, pour dire, mon cher, je dis au président, et sort d'une faire, Constitution n'a pas de lui. Ça veut dire, premièrement, qui c'est le pouvoir judiciaire dans la politique? Deuxièmement, prendre un juge pour violer la loi. Un juge là dans la Cour de cassation a un seul boussole, la Constitution et les lois qui en découlent. Donc, le juge là lui-même n'est pas capable, au même titre que des politiciens qui constituent un conseil, le juge là pas qu'à lui-même, à le fou et qu'il en bagaille, côté leader pour mettre le président d'une façon qui ne répond à la Constitution, parce que le juge là premier devoir, c'est respecter et d'appliquer la Constitution carrément à la lettre. Maintenant, le Conseil présidentiel, comme nous voyons, les boiteux, parce que il y a des groupes qui sont nommés, bon, un groupe qui est nommé 3 personnes. Mon parti qui est nommé 3 personnes. Nous sommes d'accord sur le monde, hier, il y a 3 acteurs qui m'ont 21 décembre qui contestaient ça, qui vont l'être, qui vont aller dans l'autre sens. Cour de cassation.
gen association militaire, gen l'autre monde, gen bon monsieur Rebu supposé dans collectif qui voyait un représentant dans conseil là, qu'on a même ça dit cour de cassation. Maintenant, citoyen qui a dit cour de cassation yo, qui sont des citoyens donc moi m'avoir moi comprendre yo. Moi comprendre que je mets en tête que conseil là pas marché. Donc je prends la voie de la moindre résistance dans tête yo, qui paraît plus facile, d'autant plus que avant 2011, le recours à la Cour de cassation qui marchait. Notamment l'État Pascal Trouillot, qui est pour tout le monde. Grand soeur État Pascal Trouillot était marié avec grand frère papa. Ok? Qui est grand soeur Yvette Pascal, qui est marié avec tonton qui est Anthony Louis. Donc c'est affinité mien avec État Pascal Trouillot qui fait un bon travail. Et puis Boniface Alexandre qui est sorti tout dans la Cour de cassation. Maintenant, sauf que, entre temps, il y a changé. Il y a un amendement 2011. Et moi-même, moi, j'ai tendance à croire que, ouais, bon, pas ouais, c'est typique. Je ne pas toujours penser que tout le monde veut tricher, tout le monde veut voler, rien n'est pas possible. Au fait, je suis disciple de Montesquieu et moi, accepté que pouvoir, le pouvoir avec le pouvoir. Et que, je suis surpris pour vous que, autant que le conseil a paraît boiteux, pour le mettre en place, dans 9 jours, à bon mois depuis, il y a essayé formel. Radio Omega. Je pensais qu'une fois, nous prenons vitesse de croisière, lui, comme nous sommes issus de formations différentes, vous cantez la parole. Et l'autre, pas de possibilité pour nous imposer. Cependant, moi, je crois que son erreur pour. Ils ont persisté dans la voie de nommer au président du conseil présidentiel. Peut-être qui ça? Lors de nommer mon président, mon primus inter pares, son expression latine qui signifie premier parmi les égaux. Ça veut dire qu'il y a des prérogatives que l'autre n'a pas gagné. Or, que bon façon capable de gérer ça. La façon est la suivante. Pour qu'à faire une présidence tournante. Il y a 7 personnes qui ont le droit de vote pour capable de faire une rotation côté chaque 2 mois. Chaque monde a gagné une opportunité pour coordonner mon amour préféré dit conseil là. Parce que ce n'est pas mon qui a le pouvoir là. C'est le conseil là dans son ensemble qui a le pouvoir là. Et le monde a agi au nom du conseil. Donc, l'heure où mon chef d'État, il y a gagné sa relais ou représentation. Par exemple, le 18 mai arrivé là, il faut bien un homme qui prononçait le discours de circonstance. Oui. Donc, nous, ça, qui président, là, prononçait le discours de circonstance, pour pas gagner ce discours. Oui. À l'occasion des circonstances. Nous, ça, le par exemple. Vous prenez la parole. Désigné des États-Unis, Denis, c'est Hankins. Il a présenté le Bamoun ça, il n'a présenté le Basset Moun, il a pris Haïti. Mais on n'a pas besoin d'un grand citoyen ou dire c'est président du conseil présidentiel. Mais comment ça doit faire, Pierre-Antoine, lui, parce que nous allons finir, comment ça doit faire dans le CPA, puisque c'est 7 moun, l'autre de pas de pouvoir, c'est 9, mais il y a 2 pas de pouvoir, c'est 7 libres alliés. Voilà, comment il doit faire? Pardon? Comment ça doit faire? Puisqu'on dit pas de yo pas de désigner qui gagne un titre président, mais 7 moun dans conseil là, comment ça doit faire? Oui, alors maintenant 2 moun qui observateurs yo là à observer comment ça fait, donc yo pas du droit de vote, yo pas qu'à prétendre non plus pour yo ta capable coordonner conseil là. Yo là pour suivre les procédures, si on va qui passe à bureau dit oups, oh là. Vous comprenez? Et là encore, c'est la première bagarre qui pour faire. On dit ça. Il faut un accord politique qui prévoit le conseil présidentiel là. Et qui a travaillé sur l'accord politique là, selon l'information que vous venez de me là. L'accord politique a travaillé sur l'île là et presque fini avec l'accord politique là. Exactement. Il y a aussi un accord politique là. L'accord politique là prévoit un conseil présidentiel qui pourra nommer un premier ministre, qui pourra former un gouvernement de conseil avec le. Conseil et avec le conseil, même bref, le conseil d'État ou encore le conseil de transition. Et question de retirer notre tête, nous, que nous sommes la présidente.
Ouais, en Haïti, ou pas vle ça, ouais. C'est ça, faut vraiment que t'as ironisé. Sept cortèges, sept cabinets, ainsi de suite. Façon pour retirer le bagage, ça, c'est pour mettre en tête que vous comprenez. Je suis membre du conseil, c'est le conseil qui dispose des attributions présidentielles et pas les membres. C'est comme si vous voulez dire, Pierre-Antoine, lui, pas bien président, mais on regarde qui fête nationale, qui pipe nous là. Bon, ok, on dit. 7 avril, la boutte a passé. Donc, plus prochain, c'est, nous t'es capable de dire 7 avril, si c'est l'an mort tout saint, moun qui a pas le déposé, je fais là. Même pas quoi la boutte est installée, mais c'est 18 mai. On dit plutôt, 1er mai, c'est à fête agriculture. Bon. 1er mai, fête du travail, de l'agriculture et du travail. Ministre agriculture, bien, ministre affaires sociales là qui a fait ça. Mais 18 mai. Donc, entre 7 membres, il y a qu'à choisir, il y a qu'à porter discours officiel 18 mai. C'est ça, vous l'avez dit. Bon, oui, alors, moi, je pensais que pour moi-même, il y a plus sage si on choisit un coordonnateur du conseil présidentiel et puis on fait un président tournant. Oui, le conseil de sécurité des Nations Unies qui dit. Le palais président tournant, ça veut dire chaque il est. Ça veut dire chaque mois, on a fait 2 mois. OK? Non, une transition qui dure en 18. Et 24 mois, chaque a bien opportunité pour le président, pour coordonner. Pour coordonner le conseil là, pendant 2 mois, 2 fois 14. Et puis il y a 2 encore pour le faire pour 16e, jusqu'à 16e et 18 mois. Et puis si vous faites sur 24, chaque a presque gagné 2 tours pour coordonner le conseil là. Donc, ouais, le conseil de sécurité des Nations Unies fonctionne comme ça. Peut-être tout ça. Parce qu'il y a 15 pays même, tous les 15 pays souverains, nonobstant le fait qu'il y a 5 États qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, et pays situés de façon totalement égale dans la souveraineté, chaque mois, gagner un membre du Conseil-là, par ordre alphabétique, qui jouait le rôle de président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, pas aucune raison pour ça pas qu'à fonctionner en Haïti. Donc, ou même, c'est CPA, c'est choix idéal là, c'est là, pour le pays à, lui-même, lui aller pour sortir dans la crise qu'il y a là, puis Antoine, lui, pour nous capable de finir. Mon cher, il n'est pas le choix idéal, ok, mais t'as malhonnête, il me dit ça, parce que, pas d'avoué que c'est pour nous abjurer au pays. Cependant, Haïti, pas la Suisse, mais il y a l'autre pays côté sa fête. En Suisse, il y a un conseil fédéral de 7 membres qui ont géré la Suisse. Un conseil fédéral de 7 membres qui ont géré la Suisse, parce que ça fait ça. La Suisse, c'est un pays qui a 4 langues officielles et il y a 3 communautés. Italophone, anglophone et romanche, qui ont relé et française. Donc il y a 3 groupes linguistiques, il y a 7 régions ou départements. Donc, il y a 7 membres du conseil présidentiel, chaque qui ont un portfolio que y a géré dans le conseil là, et ils gèrent la confédération helvétique qui c'est la Suisse. Donc, nous pas Suisse, nous pas même monde, nous pas jouis de la même culture politique. Mais une façon de dire que ça existe dans le monde là, bonne façon ça qu'a fait. Nous pas besoin de compliquer bagala davantage. Donc, on pense que l'accord politique là, tout est signé, il mettait en place son conseil. Ensuite, le conseil là, t'as qu'à prêter serment devant la Cour de cassation. Et puis, le conseil là, t'as capable d'adopter les règlements intérieurs. Jusqu'à maintenant, pendant même avant, on a parlé, le conseil là existait, son idée liée. Ils vont en réalité. Parce que le beaucoup prêter serment. Merci, Ampil. Nous t'es content de parler avec vous. Pierre-Antoine, lui, Fondou, il a travaillé sur l'accord politique là. Bon, on attend qu'on y a, c'est vrai, nous apprendre qu'il y a un peu de tractation. Mais c'est normal, nous sommes en matière politique qui a fait un niveau et tiré ce pouvoir qui lui-même lui là. C'est un plaisir de parler avec nous. Espérons n'a parlé encore. Merci, Ampil. Oui, bonne soirée et Ampil prudence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous t'es content de parler avec Pierre-Antoine, lui, dans l'émission Boukanti et la parole. Un proposant, à tout T'as des messages, ça?
très important. En pile moun a plaidé pour Jean sans foi ni loi a déchepillé dans affaire taxe. Zami veillez, bouche tellement bon, il y a bon prier sans confession. C'est les ARS rivé sous ou à compte côté ou te prend. Mais tout pas gain peine sans secours. Désormais, pour toutes affaires taxes, il y a une seule référence, Velatures Tax Services de Ilano Jeune. Il y a un jeune garçon en pile moun fait confiance pour bon Jean service n'a offri à communauté. Anessa pour toutes affaires income tax, taxe pour business, Velatures Tax Services pour faire confiance pour gérer ça. Et pour acheter aussi nos 20 cailles, Villatios c'est mettre béton. C'est tout le monde cap deal. En pile satisfaction. Réline 954-865-2204. Passez Kounia 3923, les coins Fraud, suite 107, les coins Florida. Yon seule adresse pour yon latrier service tant qu'on transfert l'argent pour n'importe pays. Notarié, immigration, real estate, mortgage loan pour citer ça yon seulement. Réline 954-865-2204. Ou carré les offices là, 561-429-2044. Nous parlons créole, français et espagnol. Visitez-nous à info@villatures1.com. Avec Villatures Tax Services, en pile famille jodia, une réjouissance parce que yo fait une confiance. Réline 954-865-2204.